Et salut tout le monde, on se retrouve pour la présentation d'un bouquin. Il s'agit du Mermaid et autres créatures de la mer de Camilla Derico, qui est une artiste que moi j'apprécie énormément. Donc ici, comparé au Cute and Creepy, on a une page ici à l'intérieur. On peut, si on veut, venir la mettre en couleur. Donc je pense, moi je ne le ferai pas. Donc là, vous avez une page. D'ailleurs, je la trouve beaucoup plus jolie que la page qu'on a là. Hein. Après, c'est mon avis personnel. Je ne sais pas vous. Donc, si vous voulez faire un duo dans ce livre avec moi, comme d'habitude, hein, vous me mettez un petit commentaire ou ben, Instagram, si vous voulez rester dans l'anonymat. Ça me dérange un peu. Il est un peu abîmé là au-dessus. Il s'est pris un coup. Je trouve ça un peu dommage. Après, c'est pas très grave. L'intérieur est nickel ici. On voit un. C'est pas énorme. Et donc voilà, on commence avec un petit mot ici de l'illustratrice. Et j'ai passé une page, voilà. Donc le premier colo, c'est ça. Moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup son travail. Et j'ai hâte d'être au mois d'avril pour son prochain livre. Et donc, ouais, c'est trop, trop beau. Après, je préfère quand il y a les yeux, hein, mais là, elle est vraiment trop, trop chou. Avec la petite otarie là, en plus je vois bien avec ici un effet nacré dans les coquillages. Ah là là, ce sera du pur bonheur. Du coup, il faut que j'essaye de vous montrer les pages correctement. Hein. Donc voilà, ici avec la petite couronne. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas parce qu'elles trouvent que justement c'est. Ouh! C'est répétitif, les petits visages. Je vous avouerai que cette page-là, elle me tente pas trop. Elle me tente pas trop trop. Du coup, si quelqu'un voudrait la faire en duo, ça me tentera peut-être plus de la faire. Mais le fait ici qu'il n'y ait pas d'ombrage comme elle fait sur ses visages, etc. Enfin, comment dire? Et dans les cheveux, il y a des ombrages, etc. Alors que là, c'est vraiment. Enfin, je trouve que l'image est un peu plate. Ah, celle-là sur la méduse avec les petites. Je sens que mes bleus vont partir pour les fonds. Ah, cette illustration-ci, vous l'avez dans le Cute and Creepy. Eh oui, oh, c'est dommage ça. Je suis un peu triste, je vous avouerai, de voir que j'ai des illustrations en double. Je pourrais la faire dans d'autres couleurs, au pire, c'est pas très grave. Mais, ouais, merde. C'est quoi ça? Ah, c'est. Voilà. C'est pas ouf. Hein, vu comme ça. Donc, ici, on a une. Je sais pas exactement. C'est une sirène avec un bas de pieuvre. Un peu comme Ursula. Ça, par exemple, j'aime vraiment bien. Des gros plans comme ceci. Ici, on a une espèce de petit chaperon rouge avec des petits points. C'est très, très chouette. Oh, celle-là, elle est trop belle. Je pense que celle-là, pour la Saint-Valentin, ça peut être pas mal. En plus, les bulles sont en forme de cœur. C'est trop, trop, trop chou. Oui, je sais, je suis. Hein, je suis une grande fangirl, on peut le dire. Ah, ici, le fond, il est même fait. Bon, après, je pense qu'il y a des cheveux et des parties où c'est la mer. Donc là, par exemple, pour un fond au crayon de couleur, ça passe très, très bien. Oh là là. Ah, ici avec le petit effet sur le nœud. Il est très très chouette. Ah, celle-là aussi. On dirait que c'est une écharpe qui est là. Dommage qu'elle n'ait pas la fin du corps. Peut-être que je la dessinerai, je ne sais pas encore, je verrai. Je vous avouerai que c'est rare que je retravaille une illustration. Donc généralement, je les laisse telles quelles et je les mets juste en couleur. Oh, ici. On voit quand même une grosse différence par rapport à ici. Là, elles sont fines. Il n'y a pas de travail de trait. Je trouve ça un peu dommage. J'aime bien quand il y a des traits différents. Une femme. Alors là, franchement, la femme requin, je m'y attendais pas. Elle est trop trop belle. Je suis trop trop contente de ce livre. Mis à part qu'il y ait une illustration. Ouais, alors là, la double page, elle me hype pas trop. Celle-là est trop belle. Ça me fait tellement penser à un manga. Enfin, vous allez me dire, c'est du pop manga, hein, mais ça me fait tellement penser à le personnage.
Dans Sakura, chasseuse de cartes, Lionel, ça me fait penser à ça parce qu'à un moment donné, la copine de Sakura, elle lui fait des tenues. Du coup, ici, on a une espèce d'oiseau. Alors, un oiseau sous l'eau, ça me perturbe un peu. Mais pourquoi pas? Celle-là avec le parapluie méduse, elle est trop belle. Oh là là. J'ai vraiment hâte de me lancer dans ce livre. Je ne sais pas par laquelle je vais commencer. Après, vous savez, hein, je vous dis, toutes les illus comment dire, me tentent. Et au final, je commence pas le livre avant 2-3 mois. C'est des choses qui me sont déjà arrivées. Parce que bah, du coup, j'ai plein de colos, enfin j'ai plein de livres de colos. Et ça me. Par contre, là, je suis pas très fan du trait, je le trouve très grossier. J'ai l'impression en fait que c'est une petite ilu qu'elle a zoomé. Et c'est moins joli que les illustrations ici où c'est mieux travaillé. Après, c'est son deuxième livre de coloriage. Hein. Donc, là, les petites, elles sont très très chouettes. Mais j'aurais peut-être vu ça sur la double page. Après, je suis contente que ce ne soit pas le cas. Parce que bah, colorier des doubles pages, donc Camila Derico, bah, le problème, c'est toujours cette. Ce petit centimètre qu'il y a qui bloque un peu pour faire les fonds correctement. Ah, du coup, on retrouve ces petites abeilles toutes mignonnes. Bon, c'est vrai que les abeilles, je m'attendais pas à les voir dans un livre de coloriage de la mer, mais c'est pas mal. Ah, ici, on est sur une double page, donc là, sa nageoire qui revient. Donc voilà, c'est ce genre de page, moi, ça me donne envie de faire à l'aquarelle pour pouvoir venir ombrer après au crayon de couleur. Et justement, ne pas avoir de cassure. Celle-là, elle est trop belle. Alors, rien que l'effet gris. Comme enfin grisé dessus, ça me donnerait même pas envie de la mettre en couleur, ça me donne envie de la laisser comme ça dans le livre. Ah là là, celle-là est chouette aussi. Donc ouais, il est très très beau. Et donc ici, on n'avait pas regardé ce qu'il y a. Ouais, ah mais il y a les petites, il y a les petites pieuvres. Je suis vraiment désolée, j'ai du mal à trouver mes mots. Il y a des petites pieuvres dedans. Et du coup. Alors, Camila Derico, nanana, acclamée pour son travail d'illustratrice. Et elle a été nominée pour le Joe Shutter Award et The Will Eisner Award. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, ça doit être. Voilà, ça doit être les awards des illustrateurs. Et c'est vrai que de toute façon, je trouve que son travail est magnifique. Du coup, voilà, vous avez l'épaisseur du livre. Il fait un bon centimètre. Je ne sais pas du tout combien d'illustrations il y a dessus. J'ai pas encore fait les trackers des bouquins. Mais voilà, j'espère que la présentation du livre vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!